we wait. Oh God, we wait, 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 we wait.
savons pas chanter, nous ne savons pas prêcher, mais oui, oui, oh, mais oui, oui, nous nous attendons à ce que tu fasses toute la différence. Oh, magnifique, oh, Samka, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas pour mon voisin, je m'attends pas à la religion. Je m'attends à Dieu, je m'attends à Dieu. Voilà ma soif de toi, mon esprit te cherche. Mon corps languit après la vision naturelle. Mon âme soupire après la vision naturelle. Oh God, oh God, oh God. Rébro, oh salam. Ma main levée d'une manière de dire, je ne sais pas pour les autres, mais qu'importe ce que les autres disent, moi je ne suis toujours pas satisfait, il y a mieux que ça, il y a Christ visible, il y a Christ formé. Il y a Christ déployé, expansion divine. Il y a Christ en feu. Oh, je te prie. Ne me laisse pas où je suis. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Il y a la marade, ma mamara, mon sommeil. Il y a la marade, la marade, la marade, la marade, la plus de toi, Seigneur, plus de toi. Paradere bossa, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté assise en moi. Non, ce n'est pas une chanson. C'est une supplication qui monte de mon homme intérieur. Je réclame. Oh, je te prie. Oh, plus de toi. Plus de ta ressemblance, de la conformité à Christ. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. De ton discernement, plus, plus. Plus de discernement. De ta voix. Et de ta je ne sais pas pour les autres, mais peut-être qu'ils sont satisfaits, mais moi. Mais moi, mais moi, mais moi, mais moi, mais moi. Je réclame, je réclame, je désire. Oh, je te prie, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas dans la condition où je suis. Non, je te prie. Il faut, il faut, il faut, il faut que Christ soit visible et vécu. Il faut que tu vives. Je réclame plus de toi, Seigneur. Et ma rade et ma bosse. Oh, ma paix, je te prie plus. Envoie pendant cette conférence. Envoie pendant ces 4 jours plus. Hier, mais je demande encore plus. Plus de Christ, plus de ton humilité, de ton caractère, plus de fruits de l'esprit qui se manifestent, de ton autorité, ton audace, ta foi, ta puissance, ta beauté, ta splendeur, ton éclat. Plus de discernement et de ta volonté. Plus et plus. Ne laisse pas ma vie où elle est là. On ne t'a pas encore vu pleinement manifester. On ne t'a pas encore vu révéler. On n'a pas encore vu ta vie. On n'a pas encore vu ta splendeur, ta beauté, ton éclat comme on doit les voir. On n'a pas encore vu la dimension où a opéré Jésus, où a opéré Paul. A
Alors voilà pourquoi je refuse d'être satisfait. Je réclame, je réclame. Oh ma peur, je réclame. Ah, ah, y'a qu'à m'arrêter de mon sang. Y'a ma raquette, ma marée de mon mot. Plus, je te prie, je te prie. Oh ma peur, je réclame. Plus, les marées que marées, ma carrière de mon. Plus, plus de ton feu, plus de ton embrassement, plus de ton expérience et de ta connaissance, de ton caractère imprimé en moi. Oh, je te prie, je demande plus. Et ma rare et mon. Je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, et je demande plus. Non, tu n'as pas encore été bien vu, tu n'as pas encore été bien manifesté, tu n'as pas encore été bien constaté dans ma famille, dans ma quartier, dans ma vie, dans ce continent, sur la terre, on n'a pas encore assez vu Christ visible. Alors je suis candidat, je demande plus pour démontrer, pour montrer plus de toi. Il faut que l'on te connaisse plus. Il faut que l'on te voie plus. Il faut que l'on t'entende plus. Il faut que plus d'âmes reviennent à toi. Il faut que plus de morts reviennent à la vie. Que plus de perdus soient retrouvés. Tu as déjà fait pendant les 21 jours de jeûne. Mais nous t'implorons. Personne ici n'est satisfait. Tout le monde est reconnaissant. Mais personne n'est satisfait. Personne n'a envie de s'arrêter là. Personne ne dit je suis rassasié. Non, je demande plus. 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 Soupir, soupir. Oh, 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 oh. Mon âme soupir, soupir, soupir. Aïe, de la maman, de la. Je n'ai pas les mots, mais entends et décode. Alors que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Aïe, de la maman. Oh 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 oh
nous te prions. Ah, nous t'implorons magnifique. Et amen, et patron, et robos. Et babos. Oh, magnifique! Oh, magnifique! Oh, magnifique! Aïe, 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 le Saint-Esprit me dit, si tu veux qu'il se meuve pendant ce week-end, détournons nos regards des hommes de Dieu. Ne viens pas ici en disant, avec cet homme de Dieu, ça va être merveilleux. Avec ce pasteur, ça va être formidable. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu admires et adules les pasteurs. Arrête cette mentalité de médiocrité et d'idolâtrie. Un seul doit être désiré. Un seul doit être recherché. Un seul, c'est Jésus présent ici par le Saint-Esprit. Il me dit, si tu veux que je m'exprime, dis à ce peuple de ne pas s'attendre à toi, Castanou, mais de s'attendre à moi. Alors je te prie, refocalise-toi. Je t'en prie, je te supplie. Ne gâche pas cette conférence avec des pensées idolâtres. Nous publiquement nous reconnaissons. Nous ne voulons même pas partager. Nous ne voulons même pas être vus. Oh non, nous ne sommes rien. Magnifique Esprit de Jésus. Mais les caméras, les zooms et les projecteurs sur Jésus seul. Que du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de Jésus. Aucun pasteur, prédicateur, apôtre, évêque, bishop, trichop n'a été à la croix pour toi, n'a versé son sang pour toi, ne t'a réconcilié avec Dieu. Aucun ne doit être adoré, adulé, admiré, non. Arrête cette mentalité à partir d'aujourd'hui. Libre au salaire. Aucun prédicateur n'a la capacité de libérer le feu du ciel. Le feu est libéré par l'Esprit de Jésus en accord avec le conseil de la Trinité. Voilà pourquoi un seul doit être loué. Un seul doit être aimé. Un seul doit être poursuivi. Un seul doit être désiré. Un seul. Ah, on a envie d'entendre un seul. On n'a pas envie d'entendre Castanou ou Sanogo ou Tounassi ou Karambirina. On a envie d'entendre le Saint-Esprit. Nos pensées sont réajustées. Quand elle m'a récupéré, enlève les hommes de Dieu. Uniquement plus de crise. Libre catalé les mots, son paradémos. Libre catalé les mots. Plus de crise. Plus de discernement. Plus de Christ, Seigneur, plus de Christ, ainsi fondé, enraciné en nous, attiré les mots causes, plus de Christ, plus de discernement, plus de discernement. De ta volonté, à notre
volonté, pas le projet humain et vanant de ta volonté. Aïe, 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 de ta volonté. De ta volonté. Ma volonté n'a aucun pouvoir. Ma volonté n'a aucune puissance. Ma volonté n'a aucune capacité. Voilà pourquoi je ne demande pas ma volonté. Mais nous réclamons ta volonté. Plus en plus de ta volonté. De ta volonté. Ta volonté, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est la réconciliation. C'est la restauration. C'est la guérison. C'est la distinction. C'est l'embrasement. C'est l'autorité. C'est la prospérité. À tous égards. Ta volonté. C'est la vie extraordinaire divine. Ta volonté. Assieds, assieds, assieds. Ta volonté. Assieds en nous. Bénis comment. Uniquement. Ta volonté. Ta volonté, Seigneur, plus. Uniquement, ta volonté, Seigneur. Uniquement, ta volonté, Seigneur. Uniquement, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Uniquement, ta volonté. Uniquement ta volonté, Seigneur, plus de toi. Assieds. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Manifeste au milieu de nous ta volonté, Seigneur, plus de toi. Nous t'implorons préinfiniment ta avant d'avoir, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Assieds en nous ta volonté, Seigneur, plus de toi. Assieds, manifeste totalement ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ma volonté, ça n'a pas marché. Ça ne m'a pas comblé. J'ai choisi mon mariage. J'ai choisi mon travail. Il ne m'a pas satisfait. J'ai choisi des amis qui ne m'ont pas satisfait. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'abandonne. J'avais choisi une carrière, mais ce n'était pas ta volonté. J'avais choisi des diplômes, ils ne m'ont pas comblé. Ta volonté. Ta volonté. J'avais même choisi un ministère, mais il n'a pas étanché ma soif. Voilà pourquoi
ayant de l'expérience, ayant tout essayé et tourné dans le monde, ayant essayé comme la femme samaritaine, un copain, deux copains, trois copains, quatre copains et cinq copains, j'ai réalisé que là encore, je ne me sentais pas comblé parce que je cherchais auprès d'un copain l'amour, que seul la source de l'amour, le Créateur, l'amour même, dans son essence, pouvait me donner. Alors, ayant essayé toutes ces choses, je viens comme le fils prodigue en demandant. Hier, je m'étais éloigné, mais désormais, je viens réclamant uniquement. Assieds en moi, sur moi, par moi, tendre paix. Pas une autre volonté. Ne fais plus ce que je te demande, non. Fais exactement les projets de paix que tu avais préparés pour moi avant la fondation du monde. Remanifeste dans ma vie les bonnes œuvres. Assieds uniquement ta volonté. Ma Père, je te prie, dans mon histoire et dans ma destinée, je te prie, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Voilà pourquoi je te prie, voilà pourquoi je t'implore, accompli, Père, unique ta volonté. Assieds ta parole, tes projets pendant ce week-end. Oh, nous te prions. Aucun projet de pasteur ne doit s'accomplir ici. Aucune parole humaine ne doit être prononcée depuis ce pupitre ou cette estrade. Aucun cantique, aucune mélodie, aucun son qui ne sorte du trône ne doit être entendu. Aucun parfum étranger ne doit être brûlé dans ce lieu. Non. Oh non. Ta volonté. Aucun homme ne doit écrire l'histoire de nos vies. Aucune main invisible autre que la main du Seigneur. Aucun autre doigt ne doit écrire sur nous en dehors de toi. Fais de nous des miracles, des prodiges et des signes. Selon ta volonté. Ta volonté. Que seul ton doigt se positionne sur nous. Que seule ta parole soit libérée. Ta volonté. Ta volonté. Que seule ta présence soit déployée. Ta volonté. Ta volonté. Nous accueillons ton ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. D'avance, nous acclamons déjà ta volonté. Nous acclamons ta volonté c'est la gloire, ta volonté c'est la beauté, ta volonté c'est la splendeur, ta volonté c'est le témoignage, miracle, prodige, signe, ça c'est ta volonté, feu divin, visitation divine, onction de Dieu, autorité divine, Christ pleinement formé. Assieds dans nos vies ta volonté, ta volonté. Aïe, 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 aïe. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci d'avoir pardonné notre folie. Merci d'avoir réajusté notre focus. Merci d'avoir délivré nos cœurs de l'adulation des hommes. Merci. Merci de nous ramener au seul qui a versé son sang pour nous. Au seul qui est notre souverain sacrificateur.
au seul qui est notre intercesseur, au seul qui est la source de notre foi, au seul qui est la source de notre libération, au seul qui est capable de nous donner la prospérité à tous égards, au seul qui est capable de combler nos vies. Amen, amen, amen à Jésus le Christ. Amen à Dieu notre Père. Amen au Saint-Esprit. Amen à ton ministère, à ta volonté. Amen, amen. Amen, amen. Amen à l'impartition divine. Amen à 4 jours de gloire, amen à 4 jours de feu, amen à 4 jours de déploiement du ministère des anges. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. À ta volonté m'expliquer, à ta volonté faite chair, à ta volonté visible. Ta volonté, c'est le salut, c'est la guérison, la délivrance, la santé divine, le témoignage de tous côtés. Amen à ce que tu vas manifester. Amen, 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 amen. Il y aura un avant et il y aura un après conférence cœur d'Europe. Akate Maré Kate Renebosa. Une nouvelle personne sortira. À la fin de ces 4 jours, une nouvelle femme, un nouvel homme sera formé. Christ visible. Samade Renebosa. Aïenama Broko Samade Renebosa. Tu peux dire au revoir hier, au revoir à ce qui te troublait, au revoir à ce qui t'affligeait, au revoir à ce qui t'oppressait. Tu peux dire bye bye. Amen à un nouveau jour, amen à une nouvelle saison, à une nouvelle ère dans ma vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Au ministère du Saint-Esprit, à la manifestation de ta volonté. Amen. Un repositionnement divin. Amen. Un feu sans précédent. Amen. 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 À des prières exaucées. Amen. Ce que tu as crié à Dieu pendant ces 21 jours. Amen. À l'exaucement, à la manifestation des cris des justes qui sont montés vers Dieu. Amen. 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 J'acclame. Je n'acclamerai plus les hommes de Dieu. J'acclamerai pour te rendre grâce pour eux. Mais je n'acclamerai plus les hommes de Dieu. Non. J'acclamerai le Saint-Esprit, le transformateur de ma vie, le Seigneur. Merci de faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons. Aucun homme, aucune bonne disposition humaine ne peut bâtir une vie, ne peut embraser, transformer les cœurs.
Personne ne peut faire ce que tu fais. Les médecins essaient de leur mieux. Mais ils reconnaissent que leur bonne disposition ne peut pas guérir. Les politiciens font de leur mieux. Mais ils reconnaissent que leurs bonnes intentions ne peuvent pas transformer des vies. Parce qu'un seul est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Reconnaissons que c'est toi. Un pasteur voudrait voir tout le monde guéri, toutes les vies transformées, mais sa bonne disposition ne peut pas transformer les vies. Un seul est capable. C'est Jésus le Christ par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous acclamons l'Esprit de Jésus en ce lieu. We honor you, bless you. Merci. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce que tu peux faire monter? Nous voulons reconnaître publiquement que toi seul compte. Toi seul compte. Alors, si ce n'était pas le cas, pendant ces 4 jours, redeviens le centre de nos vies, amour de nos vies, rocher de nos cœurs, bâtisseur, fondation, architecte, alpha, oméga, confident, ami fidèle, médiateur, bouclier, rocher, intercesseur. Même si ce n'était pas le cas, même si ce n'était pas le cas, pendant ces 4 jours, ramène-nous à l'essentiel, au véritable Christ, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer la présence de Dieu? Bienvenue à cette première édition, comme dit le pasteur Christian. Avant de t'asseoir, je voudrais bénir Dieu. Vous savez que tout est toujours une question de leadership ou encore de tête. Ou encore de locomotive. Je l'ai dit la dernière fois, mais parce que c'est une vérité. Mais à la tête d'un peuple vivant, un leader mort, et ce n'est qu'une question de temps avant que le peuple ne finisse par mourir. Mais à la tête d'un peuple qui est mort, un leader qui est vivant, ce n'est qu'une question de temps avant que ce peuple ne revive. Nous rendons grâce à Dieu pour la vérité. Et que Dieu passe toujours par les hommes, parce que Dieu est esprit. Si tu ne sais pas apprécier et bénir Dieu pour les dons, les personnes par lesquelles il transforme ta vie, la grâce qui est sur la vie de ces personnes ne viendra pas sur toi. Mais si tu veux que la grâce puisse couler, tu dois apprendre. Je déteste l'adulation, mais je reconnais que c'est important de rendre grâce pour les hommes et les femmes. Pouvez-vous m'aider à rendre grâce à Dieu pour le pasteur Christian et pour son épouse? Je rends grâce. C'est de la gratitude. Ça s'appelle la loi de la reconnaissance. Quelqu'un dit amen. Seigneur, merci pour chaque personne ici présente, chaque personne connectée à travers Internet. Merci pour ce que tu manifestes. Dans ces 4 jours, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir.
Oh, quelqu'un me crie un bon amen. Dis-moi encore un meilleur amen. Tu dis, mais amen à quoi, pasteur Yves? À tout ce qui a été dit. J'ai dit, dis encore un bon amen. Magnifique thème. Je voudrais commencer ce soir par la question qui est venue de mon esprit. Le thème, c'est ranimer le feu divin. La question qui est venue dans mon esprit, c'est pourquoi ranimer le feu divin? Parce que quand tu entends ranimer le feu divin, la première question c'est, mais pourquoi ranimer le feu divin? Alors la réponse, c'est le titre de mon message, le feu divin est la clé de ta libération totale. Et à ton amen, je comprends qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas soif du feu, mais il y a 10 personnes au moins, et je bénis Dieu pour les 10 personnes qui ont soif du feu divin. Si c'est toi, dis-moi un meilleur amen. Amen. Le feu divin est la clé de ta libération totale. Tu n'as pas idée à quel point le feu, c'est la clé de tout, de ton embrasement, ta transformation. En fait, le feu est tout ce dont tu as besoin. Et lorsque tu n'es pas en feu, tu n'as pas le feu. Et d'ailleurs, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de feu. C'est ce que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire. Lorsque tu n'as pas le feu, tu n'as rien à donner. Lorsque tu n'as pas le feu, tu n'as rien à donner. C'est la raison pour laquelle beaucoup... Et le message que le pasteur Christian est en train de donner sur le « aller » est un message ô combien central. Mais pourquoi les gens ne sont pas pressés d'aller? C'est parce qu'ils ne sont pas en feu. Parce que quand tu es en feu, tu vas comprendre que l'onction a besoin d'action. Et tu vas aller. Mais pourquoi on ne va pas? Mais c'est parce qu'on n'est pas en feu. Et que quelqu'un qui n'est pas en feu n'a rien à transmettre. Les païens sont froids. Si tu es froid, tu vas leur transmettre quoi? Parce que tu n'as pas compris qu'aller annoncer la bonne nouvelle, c'est aller annoncer un feu. Pourquoi? Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel, comme un marteau qui fait éclater le roc. Allez annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, c'est aller annoncer un feu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un feu. Et c'est ce qui fait que quand les gens entendent cette parole, leur cœur est consumé. Mais si tu n'es pas en feu, de ta bouche ne sort pas le feu. De ta bouche ne peut sortir le feu que lorsque tu es en feu. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui sort à l'extérieur. Si tu es rempli de virus et de maladies, quand tu parles, ce sont des virus que tu transmets. Quand tu es rempli de bactéries, quand tu parles et que tu poustillonnes les gens, tu envoies ta salive. Ce sont les bactéries que tu envoies. Mais quand tu es en feu et que tu parles, c'est un feu qui sort de ta bouche. Ce feu sortira de toi comme jamais auparavant. Quelqu'un me dit amen. Et avec moi, le feu. Le feu est tout ce dont tu as besoin. Quels que soient les défis auxquels tu es confronté, tout ce dont tu as besoin, c'est du feu. Parce que le feu brûle tout, à l'exception du feu. Voilà pourquoi le seul à tenir dans le feu, c'est le feu lui-même. C'est le feu dévorant qui supporte le feu. Mais pourquoi les démons poussent des cris quand on les chasse? C'est parce que quand on les chasse, toi tu penses que tu as parlé, mais dans le monde spirituel, c'est un feu qui est sorti de ta bouche. Et soudainement, l'esprit dit, aïe, 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 aïe. Bon, dis-moi un peu, question. Pourquoi une personne qui était là, tranquillement assise ou debout, commence à sauter? Le seul moment où les gens sautent de manière incontrôlée, c'est quand ils prennent feu. Et quand on chasse les démons, pourquoi les gens commencent à... Ah! C'est parce que le corps est en train de prendre feu. Pourquoi? Parce qu'un feu est rentré à l'intérieur et des démons qui sont logés à l'intérieur commencent à dire « Ah !» Ce feu viendra ce week-end. Quand tu me vois prier en esprit, tu dois toi aussi prier en esprit et acclamer « Kaderemo »« Shaderekaderemo » « Imarakeperemo »
Là où il n'y a pas de feu, même dans les églises, les démons sont tranquillement assis. Mais quand le feu rentre dans la salle, tu commences à dire, aïe, 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 ça brûle, c'est ça, ce feu va atterrir pendant ces 4 jours, comme jamais auparavant. Oh, le Saint-Esprit va se manifester, comme jamais auparavant. Il va se manifester si tu es au nord. C'est pour ça que tu vas constater pendant ces 4 jours que quelqu'un à côté de toi va prendre feu. Mais si toi, tu ne prends pas feu, ne dis pas il fait semblant. C'est parce que toi et lui, à ton voisin, vous n'avez pas la même attitude. Une personne a soif du feu. Celui qui a soif sera visité. Et non seulement tu seras visité, mais le Saint-Esprit va nous instruire sur comment faire pour que le feu demeure permanent. Parce que la clé de ta libération, quels que soient les jougs, les oppressions, les montagnes, les blocages, tu dois comprendre que quand Dieu répond, quand Dieu intervient, se manifeste, c'est toujours sous la forme d'un feu dévorant. Et ce feu répond à tout. Il passe partout. Ce feu consume les fibromes, les rondeurs, les grosseurs. Ce feu consume les virus. Mais pourquoi quand on impose les mains à quelqu'un, soudainement, la personne est guérie? C'est parce qu'un feu a touché sa peau. Le feu dont je parle, le feu divin, touche l'esprit, il touche l'âme, il touche le corps. Il rentre dans les 3 dimensions. Il ne s'arrête pas seulement à ton esprit. C'est le feu qui consume l'amertume, la culpabilité, la peur, le rejet, les angoisses, les inquiétudes. Tu ne peux pas être en feu et être inquiet. Le feu consume l'inquiétude. Donc quand tu es inquiet, soupire après le feu. Ne dis pas, fais disparaître le sujet de l'inquiétude, comme ça l'inquiétude va partir. Parce que la vérité, c'est que quand ce problème-là va disparaître, un autre va venir. Donc si toi, pour être en paix, il faut qu'il n'y ait plus de problème, il faut que tu meurs, maintenant, pas dans cette salle. On va dire que le pasteur a fait la sorcellerie. Sans effet, au nom de Jésus. Mais si tu te sens angoissé, tu te sens inquiet, tu te sens troublé, demande au Saint-Esprit de t'embraser selon qu'il est écrit, mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. En fait, cette paix est à l'intérieur de ton esprit, mais elle n'arrive pas à parvenir à ton âme. Pourquoi? Parce que ton esprit est affaibli par l'inquiétude, ton esprit est harcelé, ton esprit est oppressé, ton âme est serrée, ton esprit se sent faible. Mais lorsque le feu vient, il vient sur ton homme intérieur et il te consume dans ton homme intérieur. Et souvent, soudainement, là où l'homme intérieur était faible, il reçoit soudainement la force dans Okatarebokosa. Que ce feu vienne sur toi pendant ce week-end au nom de Jésus. Le feu est tout ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit m'a dit, quel que soit le sujet de prière, tu dois comprendre que quand Dieu entre en action, il entre en action à travers un feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi le feu. Dieu visite par le feu. C'est ça. Et ce dont tu as besoin, c'est de ce feu. Quelle que soit la montagne, quels que soient les jougs, quels que soient les problèmes, il faut que, s'il y a quelqu'un qui bloque ton dossier, quand le feu atterrit sur son dossier, il faut que quand le feu atterrit, la main qui bloquait le dossier prend feu et lève le dossier. Je déclare que le feu arrive dans tes circonstances au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les démons ne lâchent pas tant qu'il n'y a pas de feu. Ils ne lâchent pas parce que tu as accepté Jésus. Il lâche parce qu'il y a un feu. Parce qu'il dit, il faut que le feu... Tu vois, il y a des démons qui sont confortables dans la vie de plusieurs d'entre nous. Il est là. L'esprit de colère est là. L'esprit d'impunicité, il est là.
Quand tu chantes, il dit, je chante avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu. Le feu rend... Hey, Église, ce que j'essaie de vous dire, ce que je vais essayer de vous dire, je ne sais pas si je vais, comment le Saint-Esprit va conduire ça, mais ce que j'essaie de te dire, c'est atteindre la dimension où tu n'as plus besoin de fatiguer les pasteurs. La dimension où tu prends feu. Où tu es tellement en feu, jour, pas une fois. Parce que ce n'est pas tout que le feu descende pendant ces 4 jours. Il va falloir le perpétuer. Quand Dieu est venu visiter Moïse, il est venu sous la forme d'un feu, un buisson ardent. Ça veut dire un buisson en feu. Un feu qui ne s'éteignait pas. La pensée de Dieu te concernant, me concernant, puisque tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La pensée de Dieu, c'est que tel il est, tel je sois. Ça veut dire que comme c'est un feu qui ne s'éteint pas, toi aussi, tu sois un feu qui ne se consume pas. On parle de quoi? C'est-à-dire que quand on te voit dans le monde spirituel, ce qu'on voit quand tu te balades, on voit souvent un feu qui est en mouvement, un feu qui est en train de se balader. Un feu. Une personne est un feu. Et quand les sorciers voient ça, c'est là qu'ils disent que toi tu n'es pas sorcier. Ils disent cet homme-là est un grand sorcier. Pourquoi? Parce que lui il n'a jamais vu quelqu'un qui est tout le temps en feu. Un feu qui se balade. Un feu mobile. Caterebos. Oh que Dieu fasse de toi un feu mobile. Dis avec moi le feu. Le feu. Plus fort le feu. Le feu. Tu es connecté sur internet, sur Facebook et sur YouTube. Il faut que ceux qui sont connectés, qui sont en train de brûler derrière leur écran, parce que beaucoup aimeraient être là, il faut qu'ils disent, j'espère que ceux qui sont là, dans la salle, sont en train de connecter, de communier, parce que moi, sur derrière mon écran d'ordinateur, je suis en train de bouillir. Tu n'as pas le droit d'être là et d'être tiède. Il faut dans le fond de ce lit. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, pour visiter Israël et Moïse, il est descendu sous la forme d'un feu. Exode chapitre 24, verset 17. Est-ce que je peux avoir les écrans, les versets à l'écran le plus vite, s'il vous plaît, le plus vite possible. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Dis avec moi, comme un feu. L'aspect de la gloire, quand Dieu est venu, c'est comme un feu qui atterrit sur la colline, sur le mont Sinaï. Et la fumée commençait à sortir de tous côtés. Donc Moïse te dit que Dieu vient comme un feu. Le psalmiste te dit dans psaume 50 verset 3, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Dis avec moi, c'est un feu. Joël aussi te décrit l'arrivée de Dieu comme l'arrivée d'un feu dévorant. Tous les différents prophètes ont vu quand Dieu arrive dans une situation, quel que soit le nom de la situation, quand Dieu arrive et rentre en action, c'est pas une bougie, ce n'est pas une flamme, c'est pire qu'un feu de forêt. Quand Dieu arrive quelque part, c'est comme vous, le feu qui arrive de tous côtés. Oh, Seigneur arrive dans ma vie, atterrit dans ma vie, comme un feu manifeste ce soir. Oh, quelqu'un me dit amen. Joël 2, verset 3 dit, Joël 2, verset 3, il dit encore la même chose. Devant lui était un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Quelqu'un dit, c'est un feu. Ésaïe dit dans Ésaïe 66, verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars comme un tourbillon. Il arrive comment? Dans un feu. Quand il arrive dans un feu. Et tu me diras, ça c'est l'Ancien Testament. Mais non, même Hébreux chapitre 12 au verset 29, l'auteur de l'Épître à Hébreux te dit que notre Dieu est un feu dévorant. Quand il arrive, c'est un feu
Mais Daniel m'a expliqué ce qui s'est passé. Daniel m'a expliqué pourquoi quand il arrive, c'était un feu. Daniel m'a dit dans Daniel chapitre 7, au verset 9 à 10, Daniel dit, il est en train de décrire Dieu sur le trône. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues étaient comme un feu ardent. Il n'y a que du feu partout, il n'y a que du feu partout. Verset 10, regarde verset 10. Il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Non, pas une, pas un verre, un fleuve, pas un conteneur, mais un fleuve de feu. Quand Dieu avance, la Bible dit ici, il dit, devant lui, un fleuve de feu sortait de devant lui. C'est normal que autour de Dieu, tout ne soit que feu. Et ce que Satan redoute le plus, c'est le feu. Oh Seigneur, merci pour le feu que tu vas rallumer cette semaine, que tu vas rallumer pendant ce week-end. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Quand Dieu s'exprime, c'est toujours un feu. Ce feu juge ses ennemis. Il consume les impuretés. Tu ne peux pas être en feu et avoir peur. Le feu consume la peur. Désire-le. Désire Dieu. Mais quand tu désires Dieu, quand il va venir, c'est un feu. Désire-le. Quand il vient, c'est comme un feu. Tu ne peux pas être en feu et avoir peur. J'insiste. La peur, l'intimidation, le manque d'audace est une preuve d'absence de feu. Le feu consume l'intimidation. C'est pas vrai, les gens me demandent souvent, tu n'as pas peur? J'ai dit, j'essaye. Caraboso riba. J'essaye. Parfois, il y a certaines nouvelles. Quand tu dis, votre projet là, c'est combien? 15 millions d'euros. Les banques te disent, hey, 15 millions d'euros, mais vous allez trouver 15 millions d'euros où? Et puis les gens essaient de te faire peur. Et puis en fonction de ta santé, les gens te font peur. Ils essaient de te faire peur. Quand c'est comme ça, dis, excusez-moi, d'accord, j'arrive. Vachement dans la présence de Dieu. Va t'abandonner, va adorer, va implorer, va t'humilier, va crier à lui, va exprimer ta soif. Ils ont dit telle chose, mais je veux te dire que mes sources sont en toi. Aïkete le brocho, kadare brocho, Ibrahide le brocho, Imande le brocho, satele le brocho. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Seigneur, je veux ce feu. Il brûle les chaînes qui te retenaient. Sans intervention pastorale, bishopique, trichopique, évangélistique. Mais il m'a dit, mais comment des gens comme toi, qui avaient été consacrés à la sirène des eaux depuis ton enfance, comment tu as fait pour être libéré de ces esprits, coalition d'esprits des eaux qui avaient bloqué ta vie, qui voulaient bloquer ton mariage sans dire à un pasteur, priez pour moi. C'est parce qu'il y a des choses depuis ma conversion. Tu vois, il y a des choses que le Saint-Esprit m'a appris sans que je ne savais, je n'avais pas la connaissance des Écritures, mais je savais juste que la soif de Dieu et que le feu de Dieu et que il y a une dimension en Dieu de plénitude et d'abandon qui libère un tel feu sur ta vie que même là où Satan, les démons essayaient de se cramponner à ton âme, arrange-toi juste pour que le feu soit pas passager mais soit permanent. Et je te garantis une chose, à force de t'attacher à Christ, à force de te cramponner à Dieu, là où les démons, je n'ai pas dit que les démons ne peuvent pas résister, mais la Bible dit résister au diable, c'est-à-dire là où il résistait, toi cramponne-toi seulement, mais ne fais pas de la délivrance l'objet de ta méditation. Désire Dieu, ne désire pas la délivrance, désire le libérateur par la libération.
Parce que quand c'est lui que tu désires, quand c'est lui que tu implores et que tu adores, ce qui va se passer, c'est que son feu, quand il vient, là où les démons se cramponnaient, il y en a un qui bloquait ton mariage, un autre qui bloquait ta santé, un autre qui bloquait ici. Continue seulement d'implorer. Ne focalise pas ton attention sur l'ennemi, sur les montagnes. Focalise ton attention sur lui. Adore, proclame sa fidélité. Et ce qui va se passer, c'est que quand Dieu va descendre, il va descendre à force d'être invoqué, à force d'être imploré. Lorsque tu as soif, lorsque les justes crient, l'Éternel entend et le délivre de toute leur détresse. Et à force d'invoquer, à force de contempler, pas les problèmes, mais Dieu, à force de le chercher, à force d'implorer, quand il prend plaisir à ta prière, il arrive comme un feu dévorant. Et quand il arrive, les démons qui bloquaient ton mariage commencent à sentir la main qui commence à brûler. Aïe. Oh, ça, si tu bloquais ta santé, aïe. Arrange-toi dans ta vie pour être tellement en feu que tu deviens une personne pour laquelle les démons disent, on a essayé de tenir son âme, on n'arrive pas, on a essayé de bloquer son mariage, viens, viens le feu, on essaie, d'abord viens le feu. Je m'en vais. Quelqu'un me dit amen. Regardez, si tu ne me crois pas, il y a une dimension de feu. Quand Dieu juge ses ennemis, c'est un feu qu'il libère. Il y a une dimension de feu. Quand Pharaon résistait, contestait, discutait, négociait, première plaie. Mais la première plaie que tu vois sur le plan physique, en réalité, lorsque Dieu a parlé, c'est un feu qui est sorti de sa bouche. Oh, quelqu'un me dit amen. Sur le plan physique, on a vu la manifestation des sauterelles, on a vu la manifestation de scie, des grenouilles. Mais sur le plan spirituel, quand Dieu parle, c'est un feu, parce que sa parole est un feu. Et quand ce feu sortait, la première plaie, c'est une intensité du feu qui sortait. Deuxième plaie, Dieu a augmenté la dose. Un feu nouveau encore. Troisième plaie, un autre feu qui est sorti. Quatrième plaie, un autre feu. Mais quand c'est arrivé à la dixième plaie, tu vois, il y a une chose que j'ai remarqué dans le livre d'Exode. J'ai remarqué qu'à force d'envoyer le feu, c'est-à-dire la parole, le feu, ça atteint une dimension où c'est Pharaon maintenant qui a dit à Moïse, sortez d'ici, sortez, partez, faut partir. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vas atteindre la dimension où les démons eux-mêmes vont dire, même si tu n'as pas prié, je sors de ta vie, j'en ai assez, je quitte ton foyer, je quitte ton mariage, je quitte tes enfants, je quitte ta postérité, je n'en peux plus, ça sera ton partage. Il y a une dimension de... Écoute, Satan est têtu, mais il a quand même pas du bon sens. Mais il réfléchit quand même. À quoi bon résister, persister? Parfois, il va comprendre qu'il vaut mieux te laisser partir. Toi, tu veux quoi aussi? Mes enfants. D'accord, partez. Qui encore? Mes oncles, mettons toute ma famille. Partez. Mais il vaut mieux qu'il te laisse partir. Même partir le quartier, même partir la ville, même partir la région, plutôt que de perdre le monde entier. Arrive à la dimension où le feu te saisit tellement. Et à travers toi, il se répand autour de toi. Makate broko sobarakata. C'est ton... Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vas arriver à la dimension où ce sont les démons qui sont en train de te chasser. Ils disent, va-t'en, on ne veut plus. Va-t'en, on ne veut plus de toi. Prends tes enfants, prends tout le monde, prends ta famille, prends. On en a marre. Il est broco. Et tu leur diras, c'est exactement ce que j'essayais de vous dire depuis quelque temps. Église, il y a une dimension de feu où tu n'as plus besoin que quelqu'un t'aide. C'est le feu qui fait le travail. Que cette dimension te soit accordée au nom de Jésus. Oh, acclame. Quand Dieu vient par son esprit, il vient toujours comme un feu dévorant. J'ai montré plusieurs passages pour que tu comprennes que quand Dieu arrive, entre en action, ce n'est pas une bougie qui rentre en action. C'est un feu qui embrase tout sur son passage. Et comprends que rien ne peut résister à ce feu.
ce feu, quand il atterrit, il peut atterrir là où on bloquait ton nom, on bloquait ta vie. Il est capable d'aller en Afrique. Les gens sont dans une coalition occulte et puis ils voient soudainement arriver un feu. Je dis que ce feu descende sur ta vie au nom de Jésus. Je dis ce feu descend sur l'église et il débloque tous les dossiers financiers au nom de Jésus. Là où les cœurs des hommes étaient en train de raisonner, de résister, qu'un feu sans précédent aille dans ces dossiers, dans ces comités, au nom de Jésus. Il m'a dit, le feu est tout ce dont tu as besoin. Quand quelqu'un est voilé, quand tu n'arrives pas à comprendre, à discerner, quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage, quelle est la volonté de Dieu pour mon travail, il m'a dit, ça veut dire qu'il y a un voile. Quand il y a un voile, sache que le feu consume les voiles. Koshatama. Dis avec moi le feu. Maintenant, ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, je tiens à vous dire une chose. Vous savez, Dieu parle par saison, par vague. C'est le même Dieu, mais il faut discerner quand tout le monde que tu écoutes, que tu respectes et que tu connais, moi, Pasteur Mohamed, Pasteur Karambiri, j'ai même vu Pasteur Alexandre, je vais m'écouter Duncan Williams. Quand tout le monde est en train de parler des mêmes messages, Christ par-ci, Christ par-là, Christ par-ci, Christ par-là. Et en fait, ce dont on entend de parler le pasteur Christian, c'est Christ. Parce que quand Christ vit, il va. C'est l'une des priorités. Donc en fait, il est en train de parler de Christ. Et c'est le message que dans cette saison, l'Église doit annoncer. On doit parler de Christ au centre de nos vies, Christ. Pleinement formé, pleinement exprimé, pleinement déployé. Mais il doit vivre, parce que quand il vit, la plupart des choses pour lesquelles tu pries, quand il vit, tu n'as plus besoin de prier, elles vont t'accompagner. Quelqu'un dit amen. Donc, dans cette saison-là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Non, mais tu ne comprends pas. C'est le message de la saison. Le feu est indispensable pour aller. Le feu va te libérer toi-même et faire de toi un libérateur. Amen. C'est le feu. Quelqu'un dit amen. Mais maintenant, le Saint-Esprit m'a dit, attention quand même, parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que avant que ce feu ne vienne te consumer, t'embraser, il faut d'abord que tu sois assuré et certain d'avoir soif du feu. J'ai pas entendu. Parce que, tu vois, un pasteur me partageait sa frustration. Il dit, on a eu un superbe temps de visitation. Un peu comme celui qu'on a eu quand on est allé en Guyane. Ou quand on est allé à Lomé en mars, en février. C'était en février. En Guyane, c'était mars. Le Saint-Esprit s'est tellement déployé qu'il y a des gens qui ont littéralement pris feu. Mais, tu sais que c'est une visitation. Dis amen. C'est une Pentecôte. Mais pourquoi après cette Pentecôte, tout le monde a été embrasé, saisi? Mais il y a deux formes de chrétiens. Il y en a qui ont été saisis une fois. Ils ont reçu un feu. Et tu n'as plus besoin de les exhorter, de les motiver. Ils sont en train de courir avec un feu. Et ce feu ne s'éteint plus. Et bien il y en a, ils ont reçu le feu. Mais quelques jours, quelques semaines après, ils repartent encore à leur vieille mauvaise habitude charnelle. Pourquoi? Parce que tout le monde a été visité par le feu. Mais tu vas comprendre pourquoi le Saint-Esprit me dit, avant de parler du feu, il faut d'abord parler de la soif de Dieu et du feu de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le feu ne fera rien pour toi si tu n'es pas assoiffé du feu. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Avant que l'esprit ne vienne, il faut d'abord qu'il y ait la soif. Tu me suis dit amen. Amen. Voilà pourquoi il m'a dit, pour aujourd'hui, avant d'arriver dans le feu, parle d'abord de la soif. Sinon, le feu va venir, tu auras écouté, tu auras dit « Amen, mais ta vie ne changera pas !» Quelques jours après, quelques semaines après, tu vas repartir. Je prie que tu ne repartes plus jamais en arrière au nom de Jésus. J'ai dit « Je prie que tu ne repartes plus jamais en arrière au nom de Jésus. » Que tu ne repartes plus jamais en arrière au nom de Jésus. Et le message que Dieu me donne, et comme par hasard, c'est le message qu'il a donné à Pasteur Mohamed aussi. C'est la soif. Et le Seigneur m'a montré la puissance de la soif. Donc si tu l'as déjà entendu, ça m'est égal. Il faut qu'on te parle de la soif. Parce que quelle que soit la quantité de soif que tu as, sache qu'elle peut encore continuer d'augmenter. Dis avec moi la soif. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En fait, la volonté de Dieu, c'est pas seulement que des fleuves d'eau vive coulent une fois. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous devenions comme des fontaines d'eau vive. Tu sais, les fontaines là, l'eau coule en permanence, ne s'arrête pas. L'eau coule et ne s'arrête pas. Tu dois atteindre la dimension où des fleuves d'eau vive jaillissent en permanence, sortent en permanence de ton homme intérieur, sortent en permanence de ton esprit, sortent en permanence de ton esprit. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la soif permanente. La soif de qui? La soif de Dieu. Pas la soif de l'argent, la soif de Dieu. Pas la soif du mariage, la soif de Dieu. Pas la soif de la bénédiction, la soif de Dieu. Pas la soif du don, la soif du donateur. Pas la soif du bien, la soif du bienfaiteur. Parce que quand tu as soif du bien, tu peux devenir idolâtre. Tu finis par aimer le bien plus que le bienfaiteur. Tu finis par aimer Isaac plus que Dieu qui a donné Isaac. Voilà pourquoi Dieu retire parfois Isaac. Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Soif de Dieu. Je ne vais pas, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais je te supplie. Je sais que c'est ce que tu as fait. Mais ne cesse pas de cultiver la soif de Dieu. Et il n'a pas dit un fleuve d'eau vive. Il a dit des fleuves d'eau vive. Des. Article indéfini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre. Même quand tu es satisfait aujourd'hui, continue de soupirer, 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 soupirer. Et continue de déverser, de déverser, de déverser, de déverser. Seigneur, non, stream, je ne suis pas, j'ai pas besoin de te dire, tu dois juste écouter, d'une dimension, Patrick, aide-le, acclame le Seigneur, acclame, acclame. Oh, Marie de Bosso, quel que soit ce que Dieu a fait hier, continue d'avoir soif de lui. Quels que soient les accomplissements, quelles que soient les visitations d'hier, tu n'as encore rien vu. Ne sois pas amoureux de la visitation, sois amoureux de celui qui te visite. Ah, Yamare Katere, je te rends grâce pour ça, je te rends grâce pour ça. Mais mon âme en soupire encore. Je continue de soupirer, de soupirer. Ikate mare kombro koselerebo. Imanderebo sombare ketelerebo. Imaranderemae. Chakaranamat. Il y a plus que ce que tu as vu. Il y a plus que ce que tu connais. Il y a plus que ce que tu as expérimenté. Que Dieu augmente le niveau de soif, le niveau de quête, le niveau de quête, de ferveur, de ferveur. Accorde-nous la grâce. Oh, c'est la soif. C'est la soif qui fait de toi une personne productive. C'est la soif qui te fait porter
plus de fruits que tu n'as déjà porté. C'est la soif qui fait la différence, mon frère, dans le rythme, dans l'accélération, dans après le feu. C'est la soif qui va te permettre d'être propulsé comme une fusée. Si tu n'as pas la soif, lorsque le feu va venir, il finira par s'éteindre. Mais c'est la soif qui te permet de continuer d'alimenter l'autel de la croix dans ta vie, dans l'esprit que tu es, avec de nouveaux sacrifices, pour que jamais le feu ne s'éteigne. C'est la soif. C'est la saison où l'Église doit apprendre à être assoiffée. Ce sont les assoiffés qui finissent par tellement poursuivre Christ qu'ils deviennent semblables à lui. Réveille la soif dans le cœur de ton peuple. Quelqu'un me dit la soif. Jean chapitre 7 te démontre que la soif précède le feu. La soif précède le feu. L'Église, est-ce que tu sais que tu peux prier sans avoir soif? Ce sont les religieux. Tu pries, tu récites, mais tu n'as pas soif. Il m'a dit, soif, c'est la clé. Quand j'ai enseigné ce message, il y a un de mes propres responsables qui a rendu pasteur, qui m'a envoyé un message pour se repentir. J'ai dit, n'aie pas soif de la délivrance. Parce qu'il sentait quelque chose dans son corps. Depuis quelque temps, il sentait une oppression dans son corps. Et dès qu'il se lève le matin, sa première pensée, c'est oppression. Au nom de Jésus, démon pas. Ça fait des mois que tu dis démon pas. Le démon ne part pas. Change de technique. Change de tactique. Change d'approche. Ça fait longtemps que tu as fait de ce démon ton obsession. Esprit des eaux, esprit de bleu, mari de nuit, sors de ma vie. Tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est mari de nuit, sors de ma vie. Tu bloques mon mariage au nom de Jésus. Ça veut dire que toi, tu soupires après le mariage. Tu ne soupires pas après celui dont la bénédiction enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est parce que tu n'as pas compris que le mariage ne te comblera pas. Celui qui te comblera, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. Mon père, ma soeur, n'épouse pas une personne qui t'attend comme si elle attendait le Père Noël. Non. Non. Une personne disait, ah, enfin, tu es là. Tu dis non. Ça veut dire qu'elle est en train de soupirer pour le mariage. Épouse une personne qui soupirait après Dieu. Oh, mais quelqu'un me dit amen. Et quand il te trouvera, il ne sera pas là. Oh, c'est toi que j'attendais. Non. Il dira, bienvenue. Le Saint-Esprit m'avait annoncé ton arrivée. Et puis tu dis, est-ce qu'on peut parler? Tu dis, attends d'abord, je finis avec le Saint-Esprit. Je finis mon temps d'intimité. Je finis mon temps d'adoration. Attends d'abord. On parlera après. Le téléphone. On va me taper après. Attends d'abord. C'est mon temps de dévotion personnelle avec le Saint-Esprit. Mais quand tu avais soif du mariage et que le gars t'envoie un SMS, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, excuse-moi, comme c'est lui. Ça veut dire que toi, tu avais soif du mariage. Mais tu ne trouveras pas un homme. Tu ne trouveras pas la bonne personne. Le mariage ne te comblera pas. Ce qui te bénit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui nous accompagne d'aucun chagrin. Oh, quelqu'un me dit amen. N'aie pas soif d'argent. Aie soif de Dieu. Il y a des gens qui avaient soif d'argent. Ce dont tu as soif détermine ce que tu vas chercher. Ce dont tu as soif détermine ce que tu vas chercher, ce que tu vas finir par trouver. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont des soifs qui sont tellement mal orientés qu'ils poursuivent des mirages. C'est-à-dire, hein, ils poursuivent des diplômes. Ils se disent, oh, j'ai soif de réussite. Oh, mon diplôme. Oh, mon travail, ma carrière. Et puis la personne a la carrière qu'elle avait voulu, mais elle est dépressive. Maintenant, tu dis, le boulot m'énerve. Non, ne viens pas me dire ça à moi. C'est toi qui vas m'énerver, sans effet. Je n'ai même pas envie de t'écouter. Non, j'en ai marre de ce boulot. J'en ai marre de ce travail. J'en ai marre de ci. J'en ai marre. Mais tu parlais tout le temps de ça. Oh, je dois faire ça. Tu poursuivais ça. On ne te dit pas de ne pas étudier. On ne te dit pas de ne pas travailler. On te dit de ne pas avoir soif de ces choses. Et chercher premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Personne d'autre ne peut étancher ta soif, à l'exception de Dieu. C'est ça que la femme adultère, là, la femme samaritaine, n'avait pas compris. Un mari, deux maris, trois maris, quatre maris. Elle cherchait quoi? Elle avait soif du mariage. Jésus lui parle du non, Jésus lui parle du non, là. Elle dit, ah, ça a l'air mieux que les cinq maris. Donne-moi cette eau.
Comme ça, je vais arrêter avec les gars, les bros, les sisters, j'en ai marre. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Vous savez, le don de Dieu, donne-moi cette eau. Kamarokoso. Oh, que Dieu étanche ta soif. Qu'il produise la soif et qu'il comble ta soif. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit, quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, il y a des choses, quand le Saint-Esprit explique, il ne faut pas dire, j'ai déjà écouté. On peut dire la même chose plusieurs fois, dans la même chose qu'on a dit plusieurs fois. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut qu'on dise la même chose plusieurs fois. Et à travers différents orateurs, tu vas entendre la même chose. Tu vas comprendre pourquoi les chrétiens ont du mal à évangéliser. Pourquoi les chrétiens ne vont pas évangéliser. Bon, d'abord, ils ne sont pas en feu, ils n'ont rien à donner. Mais à partir de ce week-end, tu seras tellement chargé d'explosifs spirituels. Cabroco, imakate rebos. Tu seras chargé tellement de feu que si tu ne donnes pas, c'est toi qui risques d'exploser. Tu n'exploseras pas au nom de Jésus. Le feu t'a été donné pour aller faire exploser les démons, les maladies, les jougs, les amertumes. Va le faire exploser dans les cœurs des hommes. Comment ? Va prêcher la parole. Comment ? Va imposer les mains aux malades. Comment ? Va chasser les démons. Quand tu fais ça, tu es en train de donner à un démon. Prends ça. Chou. Boum. Voilà, c'est ça. Là où il y avait un cœur de pierre, quand tu prononces la parole, tu es en train d'envoyer une grenade. Tiens, prends. Et puis, boum. Et puis la personne dit, mais pendant qu'il parle, mon frère, mon cœur est en train de brûler. Je sens quelque chose. C'est normal, reçois ça. Boum. Va donner le feu. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, j'essaie d'arriver quelque part où le Saint-Esprit, et puis après on va prier, mais je n'ai pas fini encore. Pour l'instant, je ne fais que commencer. Mais j'essaie de te, oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre cette profondeur. La soif est quelque chose d'extrêmement puissante et précieuse. Quel que soit ce que tu entends à gauche ou à droite, ne laisse personne te dire que la soif n'est pas indispensable. Parce que la preuve de la soif, c'est le fait de chercher la quête. Je n'ai pas entendu toi-même. Amen. Jésus a dit dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13, il a demandé et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quelqu'un dit amen. Amen. Quand tu cherches, ça veut dire que tu as soif. Et Jésus applique ça à la personne du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais ne pas être satisfait. Ne pas être comblé. Il dit demandez et vous recevrez, mais ne vous arrêtez pas là. Cherchez et vous trouverez. Et puis il applique ça au Saint-Esprit au verset 13. Mais tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, mais tu dois continuer de chercher. Dis amen. Tu dois continuer de chercher. Et non seulement tu dois chercher, mais tu dois continuer, tu dois ensuite frapper. Ça veut dire tu insistes. Cobrocha. Oh, comment on frappe, pasteur Ivan? Par l'adoration. La persévérance, la supplication, le gémissement, le fait d'implorer Dieu, le fait d'inviter. On dit, je n'irai nulle part. Tu es ma vie. Mes sources sont en toi. Ma capacité vient de toi. Les médecins ont dit cancer. Mais je veux te dire que mon âme espère en toi. Mon corps languit après ta vie. Ma capacité vient de toi. Tu es ma libération, mon rocher, ma forteresse, mon guérisseur, mon salut, ma bannière, mon bâtisseur, ma forteresse. Et comme pendant que tu dis ça, tu es frustré. Pendant que tu dis ça, tu n'es pas content. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, je ne suis pas content. Tu dis à Dieu, je n'ai que toi. Aïe, ma rerebo, je n'invoque que toi. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai pas de plan B ni de plan C. Je n'ai que toi. Ah, yé maman rerebo, je lève les yeux. Imbrocosé vers les montagnes. Ah, une voix me dit, d'où viendra le secours? La voix du Saint-Esprit me dit, le secours te viendra de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre. Aïe, les démons, je n'ai que toi. Ma carte, les démons, je ne veux que toi. Un seul écrira mon histoire, c'est le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Tu feras de ma vie une épître vivante à la gloire de ton nom. Tu feras de ma vie un miracle, un prodige et un signe. On parlera de toi, on parlera de ton nom, on parlera de tes œuvres. Ton nom sera le seul nom sanctifié dans ma vie. On ne parlera pas d'un autre que de toi. On rendra grâce à Dieu pour les hommes, mais on dira derrière les hommes, il y a un qui s'appelait Jésus par le Saint-Esprit qui s'est exprimé dans la vie de cet homme-là. Wow. Dis avec moi la soif. La preuve de la soif, c'est quand tu cherches. Pas le mariage, le travail. Cherche Dieu. Il m'a dit ne cherche pas. Tu vois, il m'a dit ne cherche pas la guérison. Cherche le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui guérit. Pourquoi? Tu peux chercher la guérison et trouver la guérison que tu cherchais. Est-ce que tu as l'idée d'un homme de maladie qui est en train de se préparer et de se fabriquer dans ton corps? Dès que celle-là sera guérie, est-ce que tu sais ce qui va sortir après? Tu ne sais pas. Ne cherche pas la guérison. Tu ne sais pas ce qu'il faut chercher. Cherche l'Esprit de vie. Et dis au Saint-Esprit, patrouille en moi. Marche en moi, Esprit de vie. Patrouille en moi, marche en moi, circule en moi, impacte mon corps, Esprit de vie. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, tu as dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, Esprit de vie, ce corps est ton palais. Marche en moi, circule en moi, irrigue ce corps de la vie surnaturelle. La même vie qui a opéré dans le corps de Jésus, que cette vie irrigue chaque cellule, chaque organe de mon corps. C'est toi que je désire, c'est toi que j'adore. Je n'adore pas la guérison, j'adore le guérisseur. Je t'appartiens, exprime-toi, prends possession de ce vase magnifique. Esprit de vie, aie soif de lui. Réoriente ta soif, aie soif de lui. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il m'a montré une chose que j'avais jamais vue. J'avais jamais vu. Dans le psaume 63, au verset 2, tu vas voir. Au verset 2, il dit, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Dis avec moi, je te cherche. Et au verset suivant, il dit, mon âme a soif de toi. Tu vois, il lit le fait de chercher Dieu au fait que son âme a soif. Dieu, je te cherche, mon âme a soif. Donc, la quête et la soif vont ensemble. Si tu es d'accord, tu me dis un bon amen. Maintenant, le Seigneur m'a dit une chose que je n'avais jamais compris. Mais c'est seulement cette année-là, ce mois de mars, avril-là. Je n'avais jamais compris. Mais quand j'ai enseigné ça, j'ai vu le bien, comment ça a ouvert les yeux des gens. Il m'a montré que la soif, avant le feu, il faut la soif. Et il m'a montré comment la soif est ce qui va faire la différence. Comment la soif que tu as de Dieu, avant qu'il ne vienne, est ce qui détermine la rapidité et la dynamique et l'impulsion de ta vie après qu'il ne soit venu. Tu dis amen. Même je sais que tu n'as pas tout compris, mais tu dis amen d'abord. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des gens que tu connais, tous les deux sont chrétiens, tous les deux ont eu les mêmes challenges hier, tous les deux étaient dans l'adultère ou dans l'impudicité ou dans l'alcool ou dans la cigarette, tous les deux. Est-ce que tu as remarqué, on ne parle pas de toi, mais est-ce que tu as vu chez certains chrétiens comment dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dès qu'ils ont reçu Jésus, il y en a, tu as l'impression qu'ils ont décollé comme une fusée ou un TGV. Vroom, tu sens que leur vie a pris une impulsion, une accélération. Tandis que chez d'autres, tu as l'impression que c'est des trains à vapeur. C'est-à-dire, c'est encore chou,
Tu sens que c'est lent comme un escargot. Est-ce que tu as remarqué qu'il y en a chez qui tu as l'impression que quand il a accepté Jésus, ou quand le corps il était baptisé du Saint-Esprit, il va vite. Et tu en as, il va doucement. Il a encore du mal à se débarrasser des choses qui hier le liaient, qui le bloquaient. Tandis qu'il y en a d'autres, ces choses ne sont plus qu'un souvenir. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde désormais comme de la boue, comme une perte à cause. Dis avec moi, à cause. Est-ce que tu as remarqué des gens comme ça? On ne parle pas de toi, mais est-ce que tu as remarqué que tu as l'impression que, en gros, tu as l'impression qu'il y a vraiment une vie chrétienne à deux vitesses. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont doucement. Si tu n'as pas compris le rôle de la soif dans cette accélération, tu vas dire, oh non, lui il a plein de grâce. Non, il n'y a pas plein de grâce et moins de grâce. Tout le monde a reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dès maintenant dans cette vie par Jésus-Christ. Et là tu dis, il n'y a pas moins de grâce ou plus de grâce. C'est la même grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Tout le monde a la même grâce. Et là, tu dis encore, parce que la grâce, c'est comme un fleuve, mon frère. Tu comprends? Tu peux aller prendre un verre, une cuillère, un conteneur, un gobelet, ou tu peux aller prendre tout ce que tu veux, mais la grâce est là, disponible pour tout le monde. Non, ce n'est pas une question de grâce. Il m'a montré que c'est une question de soif. Mais pasteur Evan, quelle soif? La soif de Dieu que tu avais avant de rencontrer Dieu. Et Jésus l'illustre par une parabole. Dans Matthieu 13, tu vas comprendre, Matthieu 13, au verset 44, oui c'est ça, au verset 44, c'est 44 ? Au verset 40, oui, non, verset 45, on va prendre verset 45. On va prendre verset 45 au verset 46. Il donne deux paraboles, mais à cause du temps, on va lui donner une seule parabole. Il dit, avec moi la soif ! Alors il dit, verset 45 à 46, il dit, le royaume des cieux est semblable, et encore semblable, à un marchand qui cherche de belles perles. Il dit avec moi, il cherche. Donc il a soif. Non, non, tu peux dire donc il a soif. Voilà. La preuve de la soif, c'est le fait de chercher. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui n'est pas satisfait. Quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui soupire. Quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui a soif. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas content, c'est qu'il n'est pas satisfait. Il a, mais il n'est pas satisfait. Il demande plus, c'est ça. Chercher est la preuve de la soif. Alors il dit, le royaume des cieux est semblable. Et tu te rappelles que le royaume des cieux est représenté par la personne du Formation 101. Dis amen. Donc il est en train de nous dire, en fait, il est en train de nous dire, à quoi ressemble le fait de trouver le Saint-Esprit? Le fait de trouver le royaume. Il nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc, trouver le Saint-Esprit, il dit, c'est comme un marchand, il cherche de belles perles. Après, il dit, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout, dis avec moi tout. Il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il y a trois choses qu'il dit ici. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est un marchand, il cherche de belles perles. Et puis il y a trois choses. Première chose, il dit il cherche. Deuxième chose, il dit il a trouvé. Troisième chose, il dit il est allé vendre tout. Jésus dit que celui qui a, il dit que trouver le Saint-Esprit te fait ressembler à un marchand qui a cherché des belles perles. Mais il en a trouvé une, c'est quoi? De grand prix, c'est ça? Une de grand prix. Et quand il a trouvé celle-là, tout ce qu'il avait avant, il va le mettre de côté, il va mettre sur une balance ce qu'il avait avant et ce qu'il a trouvé. Et il va mettre de côté tout le reste pour ne garder que celle-là, la perle de grand prix. Et il dit que celui qui a trouvé le Saint-Esprit, après l'avoir cherché, va se comporter de cette manière. Quand il a trouvé le Saint-Esprit, il ne va pas négocier encore entre le Saint-Esprit et les autres. Quand il a trouvé, après avoir cherché, tout le reste, il va abandonner et il va vendre, il va garder que le Saint-Esprit. Mais ça, c'est ceux qui auront cherché. Donc, ceux qui avaient soif du Saint-Esprit. Alors, quelqu'un me dira, mais pasteur Ivan, comment puis-je avoir soif
du Saint-Esprit alors que je ne le connaissais pas? Comment puis-je avoir soif de Dieu, soif de Christ, alors que je ne le connaissais pas? Pause. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer? Je suis en train d'essayer de t'emmener quelque part. Pour que tu réalises que la clé de la transformation après avoir reçu le feu, c'est la soif que tu avais avant de recevoir le feu. Si tu me suis, dis je te suis. Dis amen. Jésus dit, celui qui a trouvé, et quand Jésus dit une parabole, à travers les paraboles, Jésus explique les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, les paraboles contiennent les vérités très importantes. Jésus dit, quand tu as cherché le Saint-Esprit et que tu l'as trouvé, tu vas laisser tout le reste de côté. C'est pour ça que Paul dit, les ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde désormais comme de la boue. Hier, je pensais que la vie, c'était des diplômes. Je n'ai pas dit de renoncer au diplôme, mais mon épanouissement ne viendra pas de diplôme. Ces choses qui étaient pour moi comme un gain, ces choses que je disais, ah, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Paul dit, non, je le regarde maintenant comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, c'est-à-dire à cause de la découverte du trésor inestimable, de la perle inestimable, qu'est le Saint-Esprit. Ces choses qui t'enveloppaient hier, ces péchés mignons d'hier, quand tu as trouvé le Saint-Esprit et quand tu les mettras sur la balance, ces péchés ne peuvent plus te retenir. Mais à condition que tu aies cherché Dieu ou cherché Christ ou cherché le Saint-Esprit, c'est la même chose. Avant de le recevoir, si tu me suis, dis, je te suis. Dis, je te suis. Et donc, ça veut dire que si tu as reçu le Saint-Esprit, mais que tu ne le cherchais pas, tu ne vas pas tout abandonner. Et si toi, tu luttes encore, aujourd'hui, tu as reçu Jésus, mais tu luttes encore avec la pornographie, avec l'impudicité, avec l'alcool, avec ces choses-là. Si tu luttes encore avec ces choses-là, il m'a dit, c'est parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, ta soif n'était pas bien orientée. Dis à quelqu'un, dis-moi, pasteur, explique. Je me demandais, mais pasteur Ivan, comment peut-on avoir soif du Saint-Esprit, soif de Dieu, alors qu'on ne connaît pas Dieu? Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'une personne qui a soif d'être quelqu'un de bien, est-ce que tu sais qu'une personne qui a soif d'être quelqu'un de bien, qui a soif d'être quelqu'un de aimant, quelqu'un de doux, quelqu'un de généreux, quelqu'un de humble, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais qu'une personne qui a soif, parce que tu vois, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui sont mauvais et qui n'en ont rien à faire d'être mauvais. Et puis, ils sont mauvais, mais ils sont désolés d'être mauvais. Ils aimeraient bien être bien, mais ils ont du mal à être bien parce qu'ils sont tenus liés par un péché, par la méchanceté. Mais des fois, quand ils ont des éclairs d'inspiration, des fois, ils disent, j'ai pas envie d'être comme ça. Enfin, j'ai pas envie. Mais il est tenu par une force qui le mène à la vie ici. C'est comme le démoniaque de Gadara. Il n'a pas envie, mais il crie sur les gens. Et puis il dit, je suis désolé, ah! Je suis désolé de crier sur toi, ah! Mais c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as des gens, il est mauvais, il est pissou, pingue, il déteste les gens, et il s'en fout. Mais tu en as, il déteste les gens. J'aimerais bien aimer les gens. Il m'a dit, tu n'es pas capable, mais tu aimerais bien. Il m'a dit, toute personne qui aspire à être quelqu'un de bon, quelqu'un de humble, quelqu'un de généreux, quelqu'un de loyal, quelqu'un de joyeux. Est-ce que tu aspires, toi, à être quelqu'un de joyeux? Ou est-ce que tu prends plaisir à toujours avoir le front fermé? Il y a des gens qui aimeraient bien être joyeux. Il y a des gens qui aimeraient bien connaître la paix. C'est-à-dire, tu aimerais bien. Parce qu'il y en a, ils sont à l'aise dans les palabres et les querelles. Ah, tu vas voir. Hein? Et puis, il y en a, j'aimerais... C'est-à-dire que même si... Mais j'ai vu ça. Une personne qui se met en colère, Mais après, elle est désolée de cette mise en colère. Elle aimerait bien ne pas ressembler à cette... Elle aimerait bien ne pas avoir ce visage de la colère, de la méchanceté. J'aimerais bien. Ça me désole. Et parfois, dès qu'on dit quelque chose, c'est plus fort que moi. Il y a une force qui m'emporte. Mais lorsque la force là me lâche, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande pardon. Il m'a dit, cette personne
qui soupire, qui aimerait bien être quelqu'un de bien, mais qui n'arrive pas à être quelqu'un de bien. En fait, cette personne est en train de soupirer après le caractère, c'est-à-dire l'image de Dieu. Mais la Bible dit que l'image de Dieu, c'est Christ. Donc, cette personne, en fait, est en train de soupirer après Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, est-ce que tu sais, parce que je suis en train de répondre à la question, mais comment on fait pour avoir soif de Dieu alors qu'on ne connaît pas Dieu? Il m'a dit, tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Si tu as soif d'être quelqu'un de aimant, de doux, de joyeux, de paisible, quelqu'un qui se maîtrise, si tu as soif du fruit de l'esprit, en fait, tu as soif de Christ. Quelqu'un dit amen. Mais comment on fait pour avoir soif de Dieu alors qu'on ne connaît pas Dieu? Tu peux avoir soif de Dieu sans savoir que la soif que tu as s'appelle la soif de Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'une personne qui aimerait faire le bien, parce qu'il y en a qui font le mal et sont contents de faire le mal et ils s'en foutent parce que c'est eux-mêmes, c'est tout ce qu'ils ont toujours connu et vécu. Mais tu en as, il aimerait bien ressembler à autre chose. Il aimerait être différent. Tu en as, ils aimeraient faire le bien et pas faire le mal. Il fait le mal, mais il aimerait bien faire le bien. Est-ce que quelqu'un me suit? M'a dit, est-ce que tu sais que cette personne-là, qui aimerait faire le bien, a soif d'être comme Christ? Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance? Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. La différence, c'est que hier, quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu as la volonté. Paul dit dans Romains 7, verset, je crois, verset 18, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Est-ce que quelqu'un me suit? On va bientôt atterrir, mais est-ce que tu me suis? Il faut que tu me suives. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame. Dis avec moi, j'ai soif. Il m'a dit, est-ce que tu sais que quelqu'un qui aimerait faire le bien, mais même qui n'arrive pas à faire le bien, cette personne, est-ce que tu sais qu'en réalité, elle a soif de Christ? Sauf que hier, tu ne pouvais pas faire le bien parce que nous tous, avant de recevoir le Saint-Esprit, nous étions esclaves du péché. Prisonniers des ténèbres, esclaves, prisonniers. Dis avec moi, prisonniers. Mais est-ce que tu sais qu'on peut être prisonnier, mais continuer de soupirer quand même? En fait, il m'a montré que tous les prisonniers soupirent. Tous les prisonniers soupirent. Quand tu vas en prison, tous les prisonniers soupirent. Tous les prisonniers soupirent. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf que tu as deux formes de soupir. Tu as des prisonniers, ils soupirent juste pour sortir de prison. Ce n'est pas leur problème. Maman, que je sorte d'ici, c'est tout. Il y a une soeur dont l'enfant était en prison et la mère va voir le fils. Il dit, maman, je veux sortir d'ici. Il dit, mon fils va sortir. Ok, mais tu veux faire quoi? Si tu sors, tu veux faire quoi? Je n'ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est sortir de cette prison. J'en peux plus. Je veux sortir. Tout ce qu'il voulait, c'était sortir. Mais il est en train d'exprimer une soif. C'est quelle soif? Juste de sortir. Donc, il y a des prisonniers, ils sont en prison, mais ils soupirent juste pour sortir. Et puis, tu as d'autres prisonniers, ils sont en prison, mais leur soupir, ce n'est pas sortir de prison. Leur soupir, c'est si seulement tu pouvais être une personne différente de la personne qui est venue en prison. Il y en a qui soupirent, qui regrettent d'avoir été cette personne meurtrière, d'avoir été cette personne voleuse, d'avoir été cette personne qui a tué, qui a blessé des gens. Si seulement je pouvais changer. Je ne prends plus plaisir. C'est-à-dire qu'elle est désolée. Elle n'a plus envie d'être la personne qui est venue en prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu as deux formes de personnes. Celle qui soupire pour sortir de prison et celle qui soupire pour être une autre personne. Elle aimerait sortir, mais elle n'aimerait pas que sortir de prison. Elle aimerait être quelqu'un de différent. Lorsque les deux types de personnes vont sortir de prison, le premier qui soupirait pour sortir uniquement de prison, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne refréquente les mêmes mauvaises fréquentations et qu'on ne finisse par l'attraper parfois par les mêmes policiers et qu'il ne reparte dans la même prison.
C'est ça qui donne lien à des récidivistes. Mais celui qui soupirait, pas pour sortir de prison, mais pour être quelqu'un de différent. Le jour où tu le sors de prison, où les mêmes copains d'hier viennent le voir, alors on va faire un cambriolage. Il dit non les gars, c'est fini. C'est fini. Dès que j'ai la liberté, c'est fini. Les choses auxquelles il était attaché hier, il va les vendre pour acheter une vie nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui a fait la différence? Lorsqu'ils sont sortis de prison, celui qui soupirait après la sortie ne sera pas transformé. Mais celui qui soupirait juste pour devenir quelqu'un d'autre, si jamais il parvient à sortir de prison, lui, son passé ne sera plus jamais son futur. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu me suis? Tu vois, quand le Saint-Esprit m'expliquait ça, il me montrait, tu vois, il y a des gens qui, avant, par exemple, avant le mariage, avant de se marier, non pardon, il y a des gens qui, avant le Saint-Esprit, étaient déjà mariés. Mais parmi les gens mariés, tu as des pères ou des mères qui trompaient leur conjoint. Et tu en as, par exemple, qui injuriaient leur enfant. Parce que, de toutes les manières, c'est comme ça qu'il a vécu. Lui, on a passé son temps à l'injurier, donc lui aussi, il a injurié ses enfants. Et ça ne lui fait rien. Il n'en a rien à faire. Quand son enfant vient, il dit, « Papa, pourquoi quitte-la ?» Et il n'est pas désolé. Mais tu en as. Avant que ne vienne le Saint-Esprit, il trompait sa femme, elle trompait son mari. Le premier homme dont j'ai parlé là, le premier type là, il y en a, il trompait sa femme. Et puis sa femme était au courant et il n'en a rien à faire. Il fait défiler les maîtresses et ils sont... Mais il y a le deuxième petit homme, il commet l'adultère lui aussi. Mais il se cache. Il ne veut pas que sa femme le sache. Pourquoi? Parce que ça le désole de commettre l'adultère. Mais le problème, c'est qu'il sent dans ses membres une loi appelée la loi du péché et de la mort. Donc c'est plus fort que moi. Alors quand tu dis ça à une femme, elle dit, pasteur, sans effet. Mais il y en a qui trompent, qui sont désolés de tromper et qui ne prennent pas plaisir à être mauvais. Tu as les deux sortes de personnes. Tu en as parce que quand tu trompes ta femme, tu déçois tes enfants. Tu brises le cœur de tes enfants. Tu fais peur à tes enfants. Il y en a quand les enfants viennent le voir. Mais papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à maman? Pourquoi tu nous fais ça? Il y en a, le papa le gifle. Il y en a à qui le papa dit, je suis désolé mon enfant, je suis désolé. Et puis il prend dans ses bras. Mais non, c'est pas que je n'aime plus maman. C'est pas ça, c'est pas ça. Je suis désolé. Mais papa, tu étais mon héros, tu n'es plus mon héros. Il y en a qui ça brise le cœur quand ton enfant dit, tu n'es plus mon héros. Il dira, il a mal, il aimerait bien être libéré de ça. Il dit, mais il est là, mais je vais faire comment? Je suis un homme animal. Moi, dès que je vois, miam, miam, je suis tiré par une force qui m'emmène. Je ne veux pas le mal que je ne veux pas faire est attaché à moi. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je suis en train de faire. Oh, misérable que je suis. Cette personne-là qui commet le même adultère, qui soupire là, le Saint-Esprit m'a dit, quand il va venir dans la vie de la deuxième personne qui désirait être quelqu'un de bien, mais qui n'avait pas la capacité. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, ça veut dire que c'est la capacité divine qui est arrivée. Tu verras cette personne, soudainement, ces choses qui étaient pour elle un gain, elle va les regarder comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce qu'elle a cherché. Elle cherchait. Il y en a, écoute-moi, qui désirent être des gens bien, mais qui ne savent pas être bien, mais qui aimeraient être bien. Et il y en a, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas envie d'être bien, et ils sont contents d'être méchants. Lui, quand il va recevoir le Saint-Esprit ne le changera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? J'essaie d'accélérer. Dis-moi, Simon, est-ce que quelqu'un me suit quand même? Parce que j'essaie d'accélérer, mais il faut que je prenne le temps de t'expliquer ça, et puis après je vais prier, parce que la soif, c'est ce qui va déterminer comment tu vas gérer le feu. Mais dis-moi amen. Si on t'envoie le feu sans la soif, le feu va agir quelque temps, il va s'éteindre. Mais s'il y a la soif, le feu sera alimenté en permanence et il ne s'éteindra plus. Je prie que dans ta vie, il ne s'éteigne plus jamais au nom de Jésus. Katararabo shante katarabo.
Si quelqu'un me suit, il dit amen. C'est la soif qui fait la différence. Il m'a dit, est-ce que tu sais? Comment dire ça? Oh Seigneur, aide-moi à expliquer. Tu as des gens, avant de recevoir le Saint-Esprit, quand tu voyais des gens malades, quand tu voyais des gens souffrir, des gens tourmentés, des gens oppressés, des gens déséquilibrés mentalement, des gens qui ont des migraines, des gens qui sont schizophrènes, ils ont des trucs, des pertes de personnalité, des doubles personnalités. Il y a des gens, quand ils voyaient ce genre de personnes, ça leur faisait mal. J'aimerais aider. Je ne sais pas comment. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont choisi les milieux, les sciences médicales. Infirmières, médecins, etc. Pourquoi? Parce que ça me fait mal de voir les gens malades. Et puis on a d'autres, ils n'en ont rien à faire de voir des gens malades. De voir des gens souffrir. Ça ne leur fait rien. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des gens, ça ne leur fait rien. Mais il y en a, ça leur fait mal. J'aimerais aider, mais je ne peux pas aider. Je fais médecin, mais on ne peut pas aider tout le monde. Le Saint-Esprit m'a dit, quand le Saint-Esprit arrive, celui qui soupirait, qui avait soif, qui désirait aider, faire le bien, aider les malades, aider, dès qu'il a reçu la capacité divine, lui, tu n'auras pas besoin de lui dire « va ». Il va aller. Pourquoi ? Il a reçu l'autorité. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les malades. Il va partir spontanément parce que tout ce qu'il désirait, avant que le Saint-Esprit ne vienne, tout ce qu'il désirait, c'était pouvoir aider faire le bien. Parce qu'il en avait assez. Parce que dans sa famille, il a vu comment le cancer a ravagé. Il a vu comment la sorcellerie a dénaturé, a oppressé les gens. Et dès qu'il reçoit la puissance, il dit « Ah ah, maintenant, allons-y !» Mais il y en a, ça ne leur faisait rien. Il n'avait pas mal au cœur. Le Saint-Esprit est venu. Le problème, c'est que quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit ne peut t'aider que dans le domaine où tu avais déjà soif. C'est pour ça que nous sommes nombreux. Le Saint-Esprit est venu. Mais on doit dire, va évangéliser, va imposer les mains aux malades. Pourquoi ça ne te fait rien? Parce que tu n'avais pas soif. Parce que tu ne désirais pas aider les gens. Ça ne te brisait pas le cœur de voir des gens qui sont tourmentés, qui sont oppressés. Ça ne te brisait pas le cœur de voir des gens qui sont gangrénés par la maladie. Ça ne te brisait pas le cœur. Mais tu vas comprendre tout à l'heure que si ça ne te brisait pas le cœur, ce n'est pas grave, hier est mort et enterré pour toujours. Mais tu dois désormais demander à Dieu aujourd'hui la soif de Dieu. Parce que quand la soif de Dieu va rentrer en toi, quand la soif de Dieu va être repositionnée à l'intérieur de toi, ce que Dieu désire, tu vas le désirer. Et les choses qui me Dieu en colère vont te mettre en colère. Quelqu'un dit amen. Tu vois, je saute beaucoup de choses. Et je te dis une chose. Le Saint-Esprit m'a dit. C'est pour ça que il m'a dit, il y a des gens, tu es marié aujourd'hui, mais tu as du mal à aimer ta femme. Ou tu es marié, tu as du mal à te soumettre à ton mari. C'est-à-dire que quand tu vois ta femme, il faut toujours t'exhorter, te motiver, frère, vraiment, aime cette femme-là, aime-la. Hein? Faut l'aimer. Et puis il y a des sœurs, tu es marié, c'était ta prière, tu es marié. Maintenant que tu es marié, on te dit, honore cet homme-là. Ouais, mais oh, parle à cet homme comme on parle à un chef, il est l'autorité. Ah, quitte-la, chacun de nous. Attention, hein. Égalité des droits. Hein? Tu vois. Mais tu es toujours insolente, tu parles avec mépris. Tout ce que tu aimes dans ton foyer, c'est la guerre. Et si tu n'as pas compris l'histoire de la soif, tu vas dire, ah, pasteur, c'est parce qu'il y a un esprit dans ma famille, là. Il y a un esprit, il y a un hôtel maléfique dans ma famille, là. C'est un hôtel d'esprit des eaux. Des fois, il me prend. Frère, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas un démon. Il m'a dit, aucun démon n'est plus puissant que la soif de Dieu. Parce qu'il m'a dit, la soif de Dieu déclenche les fleuves d'eau vive. Et quand les fleuves sortent de toi, Pokata Ramako Soma. C'est pas des démons le problème. Et il faut arrêter de prêcher sur la sorcellerie, d'enseigner sur la sorcellerie. Non, la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas la soif. Il m'a dit, quand celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Quand les fleuves d'eau vive viennent, il m'a montré, c'est comme des tsunamis. Quand les tsunamis la sortent, tout ce qui se cramponnait part au loin. Le problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est un, la soif, et deux, je vais t'expliquer l'intensité du feu. Il n'y a aucun démon qui est trop fort. Quand un démon résiste, c'est pas parce qu'il est trop fort. Tu vas dire, dans ma famille, là, les liens ancestraux, là, quand même, chez nous, sont très, très forts. Nous, les Camerounais, là,
Ce n'est pas un problème de lien de sorcellerie de Cameroun. C'est un problème de niveau du feu. Quand tu vas comprendre comment augmenter et maintenir le feu, je te garantis que les choses qui te tenaient là vont commencer à lâcher les mains elles-mêmes. Quelqu'un me dit amen, j'atterris bientôt. Dis-moi un bon amen. Je finis. Tu es marié, ma soeur. Mais tu as du mal à... C'est-à-dire, il y en a, elles regardent leur mari. Et puis, tu n'arrives pas à le respecter. Toujours. Ce n'est pas un démon qui fait ça. La question que tu dois te poser, parce que le plus terrible, c'est que tu as l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Il est en toi. Bon, comment tu fais pour avoir le Saint-Esprit et pour avoir du mal à honorer cet homme? Il m'a dit, je vais te donner la réponse. Je vais te donner la réponse. On va finir bientôt. Si vous pouvez attendre encore quelques minutes, on va finir. Dis amen. Je vais t'expliquer. Il m'a dit, avant de te marier, tu soupirais pourquoi? Il y en a qui soupiraient, pas après le mariage, mais leur soupir, c'était fuir le célibat. Non, il y en a sérieux, il y en a qui sont comme ça. Moi, dans ma famille, c'est ça. Dans ma famille, le long des escaliers, là, c'est un R plus 1, le long des escaliers, maman a mis le portrait de tous les enfants avec leur femme. Donc, si la sœur, elle est comme dans ma famille, et qu'au début, il y a la photo de son frère et sa femme, sa sœur et son mari, et dans le long du tableau, là, elle est seule dans le tableau. Parce que chez moi, c'est comme ça. Quand elle passe devant le tableau, elle a dit, non, Seigneur, à ton nom, tu dois donner gloire. Non, il faut que moi aussi, on voit ma photo avec mon mari. Quelle que soit sa face, sa race, sa grâce, je m'en fous. Il faut, quel que soit l'homme, je prends, donne-moi le mari. À ton nom, donne gloire. Et Jésus, à ton nom. Venge-moi, Seigneur, donne-moi le... Ça veut dire que toi, ton soupir, c'est fuir le célibat. Donc, c'était quoi ton soupir? Est-ce que c'était fuir le célibat? Est-ce que c'était, oh, je soupire pour trouver quelqu'un qui va prendre soin de moi? T'as dit, toi, tu cherchais un pigeon. Mais en fait, c'était le bon mariage. Mais tu cherchais, il y en a qui cherchaient à quitter le célibat. Il y en a qui cherchaient quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Et puis, il y a une troisième catégorie de gens qui, avant le mariage, désiraient elles-mêmes être la personne sage qui va bâtir son foyer. Mais je n'ai pas la capacité, mais j'aimerais être cette femme qui ressemble à Pasteur Modestine. J'aimerais. De loin, je n'ai pas la capacité, mais si seulement je pouvais, j'aimerais être moi aussi cette femme qui honore, cette femme respectueuse, cette femme humble. Cette femme diligente, cette femme vertueuse. Oh, j'aimerais. Mais il y a trois types de motivations différentes. Il y en a, c'est juste le célibat. Fuir. Il y en a, c'est, oh, donne-moi seulement quelqu'un. Qu'importe sa face, sa race, sa grâce. S'il a passeport français ou passeport belge, Seigneur, c'est bon. Je prends, alléluia. Je prends. Et puis, il y en a qui voulaient se marier pour être la personne elle-même qui va faire réussir son mariage, mais qui savait qu'elle n'était pas capable. Mais si seulement je pouvais. Il m'a dit, l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie de ces trois personnes n'aura pas le même résultat. Oh, si tu me suis, acclame. Tu vois, il m'a dit, si ton comportement n'a pas changé, la capacité divine, c'est le Saint-Esprit. Il arrive dans ta vie, mais tu ne changes pas. C'est parce qu'en fait, avant même qu'il n'arrive, ta soif avait été mal orientée. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par la réorienter. Parce que les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, mais qui ne soupirent pas, c'est pour ça que tu vas voir deux alcooliques. Les deux sont alcooliques. Les deux prennent l'alcool. Les deux font. Cuvée ! Un, deux, trois ! Bouh ! Il y en a un, il fait cuvée ! Ah ! Et puis il y a le deuxième. Il prend cuvée. Mais quand il prend ça, il est désolé. Il pense à comment il est en train de briser le cœur de ses enfants. Ah, le problème, c'est qu'une force le tient. Si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre. Et puis il se souvient des cris de ça. Non, papa, fais pas ça. Il dit, oh, si je pouvais changer.
et tu as deux alcooliques d'hier qui acceptent Jésus le même jour. Pourquoi il y en a un, sa vie chrétienne est devenue une fusée, et l'autre, il continue encore de boire. Ça ne lui fait pas mal. Il a reçu Jésus, le Saint-Esprit en lui. Il m'a dit, il n'avait pas la même soif avant que je n'arrive en eux. Voilà pourquoi. Si tu n'avais pas la bonne soif, ce n'est pas un drame. Mais décide aujourd'hui de comprendre l'importance de la soif. Et décide de demander au Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'avoir soif de toi. Lorsque tu dis, accorde-moi la grâce de te connaître, accorde-moi la grâce de t'aimer, accorde-moi la grâce de te révéler, accorde-moi la grâce de t'honorer, accorde-moi la grâce de te chérir, accorde-moi la grâce de te vivre. Malgré ta faiblesse, si tu fais de cette prière ta prière quotidienne, la soif va revenir en toi. La soif va revenir en toi. La soif va revenir en toi. Et je te garantis que ce n'est qu'une question de jours, d'heures, de jours, même pas de semaines, c'est une question de jours seulement, avant que des fleuves d'eau vive ne jaillissent de toi. Et que soudainement, tout à coup, brusquement, on voit sortir de ta vie, du même corps, on voit une nouvelle personne. Pourquoi ? La soif de Dieu est ce qui fera la différence. Si tu n'as pas changé, c'est parce que ta soif n'était pas la bonne soif. Tu n'avais pas soif d'être un héros pour ta famille. Tu n'avais pas soif d'être comme Christ. Tu n'avais pas soif de faire comme Christ. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient pour te rendre capable de faire ce dont tu avais soif et qui était en harmonie avec la volonté de Dieu. Oh, incline la tête. Avant que ne vienne le feu. Demande la soif de Dieu. Augmente ma soif, aïe de mandoro brosse. Augmente ma soif, aïe de mandere. Réveille ma soif, aïe de mo. Augmente la soif. Elle existait déjà, mais je te prie. Augmente la soif. Élève la foi. Augmente la soif. Fais de moi une fontaine, des fleuves de vie en permanence. Oriente ma soif. À partir d'aujourd'hui, Père Orient, oriente ma soif.
oriente, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Ma soif, c'est de te ressembler. Ma soif, c'est de faire le bien comme toi. Ma soif, c'est d'être amour comme toi. Désormais, Père, oriente. Seigneur, merci pour la soif réorientée. Merci pour la soif repositionnée. Tu ne peux pas avoir soif de changer ton voisin. Tu dois avoir soif d'être transformé d'abord toi-même. Dieu veut d'abord te changer toi. Tu dois soupirer pour toi. Tu dois soupirer pour être comme Christ et pour faire comme Christ. La soif doit être orientée afin que le Saint-Esprit vienne t'embraser et qu'un feu vienne sur ta vie et ne quitte jamais ta vie. Il faut que cette soif soit bien orientée. Je te prie, Père, oriente. Je te prie, Seigneur, oriente. En deux minutes, je veux juste que la personne qui est dans cette salle ou qui est connectée avec nous et qui dit, je suis la personne dont tu parlais, qui soupire, qui ne désire pas faire le mal, qui aimerait être quelqu'un de bien, qui aimerait faire le bien, mais qui n'arrive pas, qui se sent incapable. Et je réalise aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est qu'en vérité, avant même de recevoir Jésus, ma soif était mal orientée. Mais aujourd'hui, je veux revenir à la bonne soif. Je veux que ma soif soit orientée vers Dieu. Je veux demander pardon à Dieu. Alors cet appel s'adresse à la personne qui dit, je veux que ma soif soit bien orientée. Parce que si tu n'as pas changé après avoir reçu Jésus, ce n'est pas parce que le diable est trop fort. C'est parce que la soif que tu avais n'était pas une soif conforme à Dieu. Et quand le Saint-Esprit est venu, il ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas soif. Il respecte ta volonté. Voilà pourquoi des fleuves d'eau vive peuvent venir. Mais quand il n'y a pas la soif, la terre reste dans la sécheresse. Mais lorsqu'il y a la soif, la terre absorbe les fleuves d'eau vive et se laisse pénétrer. Et cette terre, c'est le champ de ton cœur. Lève la main là où tu es. Tout le monde lève la main, tout le monde lève la main, qu'importe ta situation. Tu vas répéter cette prière avec moi. Père, plus fort, Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Là où ma soif était mal orientée. Je n'ai pas eu soif de toi. J'ai eu soif des choses. J'ai eu soif des choses. Je te demande pardon. C'était pas la soif de toi. Pardonne-moi. J'ai poursuivi des mirages. J'ai poursuivi des choses vaines qui ne m'ont pas satisfait. Qui ne m'ont pas libéré. Qui ne m'ont pas comblé. Et je me suis retrouvé. Toujours avec cette sensation de vide, de sécheresse, dans mes émotions, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes relations. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, produis en moi la soif de Dieu, la soif de Christ, la soif d'être comme toi, la soif de faire comme toi. Merci de me redimensionner. Au nom de Jésus, je reçois cette nouvelle soif, bien orientée vers Christ. Et je suis prêt pour le feu. 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 Pour le feu.
de soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Encore une fois je dis, j'ai soif de toi. Je veux plus encore. J'ai soif de toi. Mes yeux sont sur toi. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. Je n'ai que toi. J'ai besoin de toi. Mes yeux sont sur toi. Seulement sur toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, mes yeux sont sur toi, seulement sur toi, mes yeux sont sur toi, seulement sur toi. Seigneur, merci. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Seigneur, nous avons saisi. Seigneur, nous avons compris. Seigneur, nous avons compris les clés, Seigneur. Les clés de la pérennité du feu divin en nous. Seigneur, augmente. Augmente la soif de toi en chacun d'entre nous. Oriente, réoriente la soif. Afin que cette soif soit portée. Afin qu'elle concerne. Afin qu'elle soit uniquement vers toi, vers Christ. Merci. Merci de ce que tu viens de commencer quelque chose de particulier dans cette première journée de conférence. Et nous croyons que tu vas nous emmener en eau profonde et que nous irons de gloire en gloire. Merci Seigneur. Reçois favorablement l'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance. Merci. Alléluia. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen? Un bon amen, un bon amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore? Nous sommes presque arrivés au terme de cette première journée. Alors avant de prier pour la fin, nous allons. Enfin, j'ai d'abord une annonce à faire. C'est que demain nous devons être là, n'est-ce pas? Amen. Dis-moi un bon amen. Et demain on va. Il était prévu qu'on commence à 16h30. On va commencer pour que tout le monde puisse être là lorsqu'on commence. On va décaler d'une demi-heure. On va commencer à 17h. Amen. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui à 17h on est là. Amen. À 17h, on est là et à 17h, on commence. Amen. Alors une chose, nous avons enfin, que quelqu'un dise enfin. Parce que plusieurs l'ont demandé, mais on ne l'avait pas encore. Nous avons enfin à la librairie Metanoia, donc le tout dernier livre du pasteur Yvan, Vivez l'extraordinaire divin. Amen. Les livres sont arrivés. On a demandé, ils ne sont pas arrivés. Le pasteur est venu avec. Amen. Alors, autre chose, vous avez certainement, pour ceux qui ont eu le temps de regarder dans le journal de l'église, ICC Mon Église, demain il y a un événement particulier, demain c'est le lancement officiel de notre web radio. Que quelqu'un dise un bon amen à ça. Il y a quelqu'un qui n'acclame pas, qui n'est pas dans la joie, c'est bizarre. Donc voilà, donc demain, La web radio donc s'appelle Direct Impact. Direct Impact, on va directement impacter. On est directement impacté aussi. Donc demain, ça va commencer donc officiellement à partir de 15h. Donc à partir de 15h jusqu'à. Et puis quand ça commence, ça ne se finit pas. Ça finit pas. Donc à partir de 15h, on lance la radio et puis vous verrez, on aura le temps d'expliquer un peu demain. Il n'y a pas juste la louange, l'adoration, il y a des prédications, il y a des émissions thématiques, il y a des interviews. En tout cas, le programme est riche. Amen. Voilà, dis à un voisin, c'est bon pour toi ça. Amen.
Alléluia. Alors aujourd'hui, ce soir nous n'allons pas faire d'offrande, mais en revanche demain et surtout dimanche nous en ferons. Que quelqu'un dise amen. Amen. Donc demain on peut pas acheter Dieu avec une offrande. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais cela dit, on peut être reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies et de ce que nous recevons. Amen. Donc demain on fait une offrande et dimanche on fait une offrande spéciale. Dis à un voisin, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Pourquoi? Parce que c'est une conférence spéciale. Donc, prépare-toi, on va se préparer, nous tous, et dimanche, on fera une offrande spéciale. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur encore une fois pour sa parole et pour sa présence. Nous allons incliner la tête tous ensemble, nous allons prier pour la fin de cette première session et nous nous retrouverons donc demain à 17h. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, vraiment merci Seigneur pour ta présence, parce que c'est ta présence qui a fait la différence. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta parole qui a touché nos cœurs, qui a été Seigneur une graine, des graines qui ont ensemencé nos cœurs. Nous te bénissons pour ton serviteur, nous te bénissons Seigneur pour la parole que tu lui as donnée et qui nous a si fidèlement retranscrite Seigneur. Merci. Parce que cette parole, Seigneur, a vocation de changer et de transformer nos vies. Et nous croyons véritablement que le meilleur est à venir. Il y a un feu qui a commencé à embraser, Seigneur, nos vies. Il y a un feu qui a commencé à embraser. Et nous croyons que jour après jour, ce feu va augmenter en intensité. Ce feu va augmenter en impact. Seigneur, embrase-nous afin que nous puissions à notre tour embraser les autres. Nous te bénissons. Et nous croyons que tu viens, que tu as donné des instructions aux anges et que le ministère des anges est déployé, assigné à notre protection. Et nous rentrons dans nos demeures respectives, Seigneur, avec l'assurance d'être conduits par toi et avec ce dépôt, avec ce feu qui a commencé à embraser nos âmes. Nous te bénissons et nous nous retrouverons, Seigneur, demain pour cette sainte invitation que tu nous as faite. Et nous croyons que c'est toi qui es l'auteur, qui a planifié, qui a conçu cette conférence et nous voulons en recevoir tout ce que tu as prévu de nous donner. À toi soit toute la gloire, notre Père et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié avec foi et avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, avant de partir, acclamons le Seigneur encore une fois. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ta présence. Et donc nous nous retrouvons demain à 17h. Si tu peux venir un peu avant, viens avant, mais à 17h on commence. Amen. Et il restait encore des places, donc ça, c'est encore important, c'est encore utile d'inviter d'autres personnes. Amen. Demain ne viens pas seul, ne viens pas seul, ne viens pas avec une voiture où tu es le seul. Non, viens avec plusieurs. Voilà, God bless you, on est ensemble. Et on se retrouve demain ensemble pour 17h. Merci Seigneur. Alléluia. Étant donné, il y a plusieurs personnes qui avaient préparé. Tu avais préparé une offrande, mais ne pars pas sans avoir donné ton offrande. Si tu avais préparé une offrande, les paniers sont encore là. Amen. Je sais qu'il y en a qui avaient préparé une offrande. Donc voilà, les paniers sont encore là. Avant de partir, tu peux faire ton offrande. Mais n'oublie pas, demain on fait une offrande et dimanche on fait une offrande spéciale. God bless you. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant le Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?